Je vais appeler maintenant pour la synthèse de la matinée le professeur François Blanchard et je vais vous demander de l'applaudir aussi parce que c'est lui rendre un hommage parce que c'est la première personne à avoir fait naître l'EREMA et on est là dans la continuité de ce qui avait été fait à Reims par le professeur Blanchard et ses équipes. Je voudrais d'abord commencer cette intervention par des remerciements. Alors, ça peut être formel, ça peut aussi être des remerciements qui viennent du cœur et qui sont sincères. Et franchement, je voudrais beaucoup remercier les organisateurs de cette réunion, en particulier Emmanuel Hirsch et son équipe, pour la qualité de l'organisation, mais aussi pour l'esprit dans lequel se passe ce séminaire ou ce congrès, ou cette réunion comme on veut. L'ensemble des travaux qui sont menés par l'EREMA et aussi pour la qualité des travaux qui sont menés par l'espace éthique méditerranéen. Et c'est vrai que les préoccupations éthiques sont au cœur de mon activité depuis un certain temps et que nous avons débuté l'EREMA à Reims et que cela n'a pas pu être poursuivi pour des raisons qui tiennent à la volonté ou aux possibilités du CHU de Reims. Et je trouve que Emmanuel, avec son équipe, et puis Michel Poncet et Perrine Malzac et leur équipe ont plus que transformé l'essai, ils l'ont amplifié et réussi. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage pour la qualité de la réflexion qu'ils apportent sur les problèmes éthiques touchant aux maladies neurocognitives. Alors, c'est très difficile de parler après tout ce qui a été dit ce matin, de parler surtout après ce que Geneviève nous a, le cadeau qu'elle nous a fait hier en conclusion. Donc, je vais essayer simplement, modestement, de voir comment ces réflexions résonnent et comment elles peuvent être poursuivies. Nous avons eu ce matin une matinée qui était plutôt orientée, je dirais, santé publique, avec deux bons spécialistes de santé publique, que sont Joël Ménard et Joël Ancry, qui ont vraiment amené cette réflexion à un niveau collectif. Et c'est vrai que la première chose qui me paraît devoir être dit et que Joël Ménard a rappelé avec force, c'est la nécessité de la recherche et d'une recherche qui soit rigoureuse, de grande qualité, parce que c'est par la recherche que nous arriverons progressivement à mieux apporter la maîtrise au niveau des traitements et des thérapeutiques et de la compréhension de ce qu'est cette maladie. Et c'est vrai qu'on voit depuis 20 ans, tout de même, les énormes progrès qui ont été faits dans le domaine de la compréhension des mécanismes, même si on est encore un peu en attente, et c'est clairement, on est en attente, au niveau des résultats des thérapeutiques médicamenteuses, auxquelles il ne faut certainement pas opposer les non-médicamenteuses, mais apporter une approche qui soit, je dirais, plus complémentaire des autres modes de prise en charge. Mais ce n'est pas l'objet de cette conclusion. Et puis, Joël Ancry nous a parlé des mesures et des limites des mesures pour mesurer le besoin, et ceci a été repris dans la table ronde. Et moi, la réflexion que ça m'évoque, et Joël l'a bien dit, c'est: on mesure des besoins à quel niveau et quels sont les vrais besoins? On mesure des besoins physiques et on dit que c'est les besoins pour la survie. Donc on commence par les besoins sur la survie. Et en fait, ça m'évoque toujours cette histoire que vous connaissez peut-être de Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse, donc un peu après la Renaissance, était à la recherche du langage originel. Peut-être que vous connaissez cette affaire-là. L'anglais était le langage originel. Avant la tour de Babel, on était encore très imprégné de la culture biblique, et il a fait une expérience, c'est-à-dire qu'il a pris des nouveau-nés, qu'il a complètement isolés, une série de nouveau-nés, et avec interdiction aux personnes qui s'occupaient d'elles de leur adresser le moindre mot, et comme ça, on verrait surgir le langage originel. Et qu'est-ce qu'il advint, hélas? Tous ces nouveau-nés sont morts, alors qu'on leur apportait les soins parfaits. Ceci a été repris ensuite, vous le savez bien, par les travaux, entre autres, de Bateson et de Françoise Zotto, qui ont parlé de ce qu'était l'hospitalisme pour les enfants hospitalisés. Et ils ont montré que le fait de leur apporter des soins parfaits, ces enfants, ils régressaient, ils allaient mal et certains mouraient. Je n'ai pas encore vu de travaux qui nous montrent que le fait d'enfermer des patients avec un Alzheimer, qui ne sont plus des enfants, qui ont toute une histoire derrière eux, qui ont une longue vie derrière eux, de les mettre dans certaines conditions, amène obligatoirement, effectivement, une régression, et que cette régression peut être mortifère. Et donc,
je me pose la question, comment faire comprendre que dans l'analyse des besoins, il n'y a pas que le fait d'avoir la toilette correctement faite, parce qu'on ne peut pas la faire soi-même, bien évidemment. Même de se nourrir, parce qu'on arrive à soi-même. Dans l'analyse des besoins, ce besoin de relation, ce besoin d'être considéré par l'autre, est un besoin vital. Et comment le faire comprendre? Et hier soir, Jean-Claude Amezen nous rappelait ce que nous disait Olivier Sartre et beaucoup d'autres avant, dans cette maladie, qui est une maladie où il y a beaucoup de souffrance et d'isolement, les émotions, la palette des émotions demeure intacte. Alors c'est peut-être une porte d'entrée sur laquelle je pourrais peut-être revenir à d'autres occasions que nous essayons d'exploiter depuis plusieurs années, comprendre comment la relation à un niveau émotionnel permet de rencontrer toujours l'être humain qui est là avec sa psyché, bien sûr abîmée par toutes les lésions neurologiques que nous connaissons. Deuxième élément de réflexion ce matin qui me paraît tout à fait intéressant, au-delà de cette réflexion de santé publique et sur les décisions, c'est en fait, et c'est ça au cœur du problème, comment dans une décision de santé publique avoir un regard qui est influencé, comme l'a rappelé Joël Ménard, par l'opinion et en même temps, bien sûr, par les personnes qui sont directement concernées, en l'occurrence les familles. Et je pense que les familles ont un rôle essentiel dans ce changement de regard, dans la manière dont notre société regarde ces personnes qui font peur. Et vous voyez bien dans les expressions artistiques le grand éventail qu'on peut avoir. On a eu des photos qui étaient très intéressantes, qui, à mon avis, devaient insister sur la solitude de ces malades. Et ce qu'on voit apparaître, eh bien, c'est effectivement, avec la technique du fisheye qui permet d'isoler le sujet dans un environnement, et puis la technique du flou grâce à l'obturation retardée de la personne qui s'efface. C'est un certain regard qui est partagé par beaucoup dans la société, et c'est intéressant que les artistes puissent le dire. Vous en avez d'autres qui vont vous montrer des patients qui vont très bien. Par exemple, le film que nous avons préparé avec Mobical sur les événements du réel ne nous montre que des patients qui sont plutôt heureux dans leur maladie, qui vivent bien. Donc la question du regard est essentielle. Qui regarde, comment regarde et comment aider à ce que notre société intègre ces personnes? Parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce qu'Emmanuel a écrit et que je partage complètement, qui est de dire que ces êtres très atteints, très malades, ils demeurent nos frères en humanité. Et c'est une phrase forte qui nous engage. Ce sont nos frères en humanité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que nous les gardons intégrés dans la communauté des humains et nous ne nous situons pas à un niveau plus élevé qu'eux. Ça veut dire qu'il y a toute une réflexion à tout ce qui a été dit sur la capacité de décision des personnes, comment ils peuvent encore décider et tout. C'est ça qui est au fond. Ce sont nos frères en humanité, comme nous, à un même niveau que nous. Et je trouve que cet aspect très important peut être encore rappelé en se disant, nos institutions, notre manière d'agir, comment ça continue d'intégrer ces personnes? Et c'est vrai que ça a été dit par d'autres, mais je le partage complètement. L'attention que nous sommes capables de porter, la manière dont nous traitons les plus vulnérables d'entre nous, eh bien, ça mesure le niveau d'humanité de nos sociétés. Et nous devons nous battre pour ça, c'est-à-dire que travailler pour que ces malades restent intégrés, ce n'est pas simplement pour eux, c'est aussi pour nous. Et ça nous amène à cette notion de réciprocité. Nous sommes toujours en train de dire, qu'est-ce qu'on fait pour ces pauvres malades tellement malheureux? Mais qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'ils nous donnent? En quoi ces malades, puisque nous prétendons avec force que ce sont nos frères en humanité, dans cet échange, qu'est-ce que nous recevons d'eux? Alors, il y a au moins quelques réponses. La première, parlons de la recherche. Moi, je suis toujours étonné de voir qu'à un niveau collectif, beaucoup de ces patients, quand ils sont conscients, et leurs familles, ils disent « Nous voulons participer à la recherche. » Même si pour nous, c'est trop tard, nous voulons y participer parce que, collectivement, nous voulons qu'on progresse pour cette maladie. J'ai eu exactement la même réaction pour faire participer des malades à des films. Participer à des films où on montre comment ça se passe. La réaction est toujours la même. Il faut que ça serve pour l'autre. Donc il y a aussi une idée de don de leur part et qu'il faut savoir recevoir. Ça, c'est la première chose. Et puis il y a une notion, à mon avis, qui est plus importante. C'est qu'effectivement, à partir du moment où ces plus vulnérables sont considérés comme nos frères en humanité, ça veut dire que ce sont les soldats des frontières. Ça veut dire qu'ils se tiennent à cet espace toujours un peu flou, un peu limite, où est-ce qu'on va situer l'humanité?
Et à partir du moment où on intègre cette idée, nos frères en l'humanité, ça veut dire qu'on élargit l'espace de l'humanité. À partir du moment où on se pose la question jusqu'où il peut plus s'exprimer, dans le fond, les lois sur l'euthanasie devraient permettre de dire que ces gens qui n'ont plus d'humanité, on les enlève, on rétrécit notre humanité. Et il y a un choix de société à ce niveau-là. Et moi, pour moi, le choix, et pour quelques autres, et je pense pour Emmanuel aussi, le choix est assez clair, nous sommes pour l'élargissement de l'humanité. Deuxième série de réflexions. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une relation, enfin d'un être humain, c'est sa capacité de relation. Et donc, en fait, ce qui me paraît important dans cette maladie, c'est de mesurer toute la souffrance qui est grande. C'est une maladie terrible, il ne faut pas dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est une maladie grave, une maladie terrible, et qui génère beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance pour les personnes elles-mêmes, beaucoup de souffrance pour les familles. Donc, regardons ce que nous pouvons faire, professionnels, médecins, soignants, non-soignants, pour que cette souffrance soit la moins aiguë possible. On ne va pas la retirer, il ne faut pas rêver, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que cette souffrance soit moins grande? Et ce qui me paraît caractéristique de cette souffrance, c'est l'isolement. L'isolement, la culpabilité, et donc comment recréer du lien, comment recréer quelque chose qui mette en relation. Alors, là aussi, sans que je rentre dans des choses trop compliquées, encore une fois, c'est trouver les bonnes portes d'entrée, c'est valoriser ce qui existe, c'est permettre qu'une relation existe alors que les modes habituels de communication intellectuelle que nous avons ne fonctionnent plus. Il y a tout un champ à développer dans ce domaine-là, au niveau de la communication infraverbale, au niveau de la communication émotionnelle, au niveau du retraitement des souvenirs du passé, qui me paraît essentiel pour que ce mode de relation puisse exister. Parce qu'il y a une chose qui est quand même assez étonnante, et pour laquelle je n'ai pas de jugement. Ce que je constate, c'est qu'il y a des malades, pour lesquels, et des familles, pour lesquelles, après cette période très difficile d'incertitude, où on ne sait pas le diagnostic et tout le monde est paumé, là c'est clair, tout le monde en témoigne de cette manière-là, il y a des malades qui, une fois le diagnostic intégré, c'est un vrai choc, et aussi pour la famille, les choses se passent assez paisiblement, pas toujours, mais assez paisiblement, et même, et j'ai eu des témoignages, j'en ai rapporté un dans le livre que j'ai écrit avec mes collaborateurs sur... Alzheimer, vous avez dit démence avec un point d'interrogation, ou ça va même mieux. Ou par exemple, cette femme qui avait été terrible avec ses enfants pour son autoritarisme, s'est enfin laissée approcher et aimer lorsqu'elle a été malade. Donc, tout... Et puis il y en a d'autres où c'est dramatique. Ça veut dire que je n'ai pas de jugement, mais je constate qu'il y a des évolutions sévères qui continuent à aller pas bien, et d'autres qui au contraire vont mieux. C'est comme pour l'institution. On a tous des exemples, et ça a été rappelé par le directeur très bien, par M. Pigalle, de malades qui vont mieux en institution. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a que des situations différentes qu'il faut essayer de comprendre. Et moi, je me demande pourquoi il y a des familles où ça se passe mieux et d'autres pour lesquelles ça reste très, très douloureux. Alors il y a certainement des choses au niveau de la communication, de la compréhension, de la culpabilité, de l'histoire familiale, etc., etc. Il y a probablement aussi quelque chose au niveau de l'acceptation de la situation sans culpabilité et de la prise en compte aussi de l'histoire de la personne. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup cet aspect-là, mais je me dirais que si je prends un regard scientifique, je vais prendre une comparaison que j'ai déjà utilisée. Je suis ingénieur et je suis en face d'un immeuble. Et dans cet immeuble, eh bien, il y a quelqu'un qui vieillit, et comme il vieillit, il va de moins en moins utiliser telle ou telle pièce, il n'y va plus. Donc on peut voir comment, de l'extérieur, dans mon petit banc, là, dans le square, je peux noter les fenêtres qui s'éteignent, faire des calculs énergétiques, qui arrivent à dépenser moins d'énergie, etc. Et je suis complètement dans ce que nous appelons, nous, le syndrome déficitaire. C'est-à-dire que je vois ce qui manque de plus en plus. C'est une manière de voir. Et puis, il y a une autre manière de voir, qui est d'accompagner la personne dans ce chemin, où elle va peut-être revisiter, comme dit Naomi Field, la maison de sa vie pièce par pièce. Il y a des zones où elle n'ira plus, parce qu'elle ne peut plus le faire. Mais je l'aurai accompagnée, et donc elle aura peut-être pu trouver un sens à ce qui se passe pour elle, ou du moins une acceptation de ce qui se passe. Et cette attitude, encore une fois, respecte probablement plus l'humanité, bien que l'autre ne soit pas non plus critiquable, parce qu'on a aussi besoin de donner des chiffres objectifs. Mais cette approche semble déficitaire, unique, et certainement très délétère pour les malades. Je voudrais terminer en vous disant que, dans le fond, qu'est-ce qui fait le fondement de notre approche,
C'est la qualité technique que nous avons qui est absolument indispensable. Mais quand on a fait ça, on a fait 50% du boulot. Il y a quelque chose d'autre qui fait que les gens restent auprès de ces malades et qui peuvent s'enrichir encore une fois. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils donnent leur humanité. Et je crois que c'est très important, cette manière de pouvoir créer une relation. Et comme a osé l'écrire, donc je vais leur reprendre, comme l'a osé l'écrire Elisabeth Quignard et Michel Geoffroy, c'est une relation d'amour. Alors bien sûr, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par le mot amour. Le mot amour, ce n'est pas l'amour romantique avec ses petites fleurs, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'amour? C'est une relation engagée. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans cette relation, j'accepte l'autre comme il est, et mon engagement ne se mesure pas aux sentiments, mon engagement il se mesure aux actes, à ce que je fais, à ce que je comprends, à ce que j'écoute. Et je vais peut-être terminer par ces mots, ça renvoie à cette très belle définition de l'amour qui a été donnée par Rumi, je ne sais pas si vous connaissez Rumi, donc, qui est un poète persan, qui disait « Au-delà des mots, au-delà du penser juste, au-delà du penser faux, il y a un champ, il y a un espace. Et c'est dans ce champ, dans cet espace, que je te retrouverai. »